mesdames et messieurs, je suis très honoré et très fier d'accueillir non seulement vous, mais aussi cette exposition ici dans la galerie Schlossgarten, ici à Esch-sur-Alzette, qui est à mon avis le lieu pour des photographies de Philippe Roguet qui font vibrer le site. Et je suis très content que sur le site, il reste 5 bâtiments et demi de l'industrie d'il y a au moins 100 ans. On est très fiers du projet. Je suis très très content d'avoir ces tableaux spectaculaires comme le projet ici à Esch. On est très heureux de vous présenter le travail qui a été fait, donc un travail sur la mémoire, sur comment est-ce qu'aujourd'hui on réinvestit une friche industrielle, comment on s'approprie des lieux comme cela, avec tout l'imaginaire, la valeur de charme aussi que ça peut conférer. Il y a eu tout un suivi qui a été fait sur le site. Il y a tout un travail documentaire aussi, à l'appui de tout ça, avec un archéologue industriel. Et puis, je remercie aussi Virtual Rounders, parce que du coup, vous avez aussi une table ronde devant vous qui va vous permettre de rentrer plus encore dans ces bâtiments, dans ces projets, d'expliquer comment ils fonctionnaient et puis de voir aussi comment est-ce que demain, ils fonctionneront. En tant que frontalière, j'ai toujours connu le site des Terres Rouges, des Lentilles Rouges. J'ai vu son évolution, j'ai connu sa fermeture. Et je trouve en fait que ces photographies immortalisent ce site et sont véritablement comme un réceptacle de mémoire. Chaque personne peut trouver son dû. C'est là toute la richesse de cette exposition. Elle est immersive. Elle est immersive par la table, elle est immersive aussi par la propre volonté de Philippe Roguet. Alors ce qui est intéressant, c'est toutes les personnes que j'ai pu croiser sur le site, ou même lors de l'exposition, le regard qu'ils ont sur les photos, me disent tous qu'en fait, c'est une forme de reconnaissance du travail qui a été fait, parce que ces lieux, en fait, appartiennent tous à un conscient collectif. Ils appartiennent à leur histoire. Encore cet après-midi, j'ai croisé un restaurateur qui me disait, mais... Nos arrière-grands-parents ont travaillé là-dedans, on a tous de la famille qui a travaillé dans ces lieux. Et de faire ce travail sur la mémoire, de restituer ces lieux, de l'attention qu'on peut leur donner finalement, oui, c'est cette forme de reconnaissance qu'ils ont par rapport à ce travail. Et par rapport à ce travail sur la mémoire, ouais. Wirklich erstaunt hat, dass wir in den alle Patrimoine rein kann an in neue PHP mit neue Wohnungen mit dran integrieren und dann einfach den Patrimoine erhalten geht und nicht wie auf andere Projekte einfach am Bagger platt gemacht geht. Das ist etwas, was ich wichtig fand. Wir gehen in Zukunft, aber auch die Vergangenheit sollte man aufrechterhalten. Ich trouve ça déjà assez courageux quelque part de garder autant de traces du passé sur ce grand site de Routelands. Voilà, on connaît beaucoup de projets ici à Luxembourg où ça a été un peu la tabula rasa, où c'est plus facile de tout reconstruire à neuf. On sait que ça coûte de l'argent aussi de préserver, de rénover, etc. Au travers de cette œuvre, on garde une trace de ce moment voilà, où il y a encore beaucoup de patines sur tous ces bâtiments. Et je ne sais pas tout à fait ce à quoi va ressembler le projet quand il sera fini, mais j'espère qu'il ressemblera le plus possible à ces clichés que je vois ce soir, où il y a un charme vraiment qui se dégage.